الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, comme annoncé, nous allons nous entretenir sur ce thème qui est d'une importance capitale, surtout en cette période de trouble où les choses tendent à être confondues. Je prie donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite dans la transmission. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإمام ابن سيرين كي est l'un des imams de la Sunna, un des tabi'in les plus célèbres. Il est né vers 31 de l'Égypte et il est mort vers 110 de l'Égypte. C'est l'un des disciples des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a profité des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adraka 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Il avait trouvé 30 parmi les compagnons du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et il avait appris de ces derniers au point d'être un disciple parmi leurs disciples. ومنهم أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Il y avait parmi ses compagnons du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم de qui il a appris. Parmi ceux-là qui l'ont éduqué, le célèbre compagnon du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, Abi Hurayrata رضي الله عنه. وهو من الصحابة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et Abi Hurayrata رضي الله عنه fait partie des compagnons qui ont rapporté beaucoup des récits du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et ça dit tout du statut qui peut être celui de quelqu'un qui a été éduqué par une telle personne, par un tel compagnon. Ce grand imam avait dit cette parole qui a été rapportée par l'imam Muslim dans l'introduction de son recueil authentique. Une parole qui est devenu avec le temps une règle chez les savants de l'islam, une base
sur laquelle on s'établit pour forger son identité et sa personnalité pour ce qui est de la science religieuse. قال إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينهم. Certes, cette science représente une religion. Regardez donc c'est qui vous prenez votre religion. Avant de poursuivre, j'aimerais rappeler que cette parole a été rapportée de plusieurs prédécesseurs. Parmi ces prédécesseurs, l'imam Ali, rahimahullah, wa ghayrihim min a'immati hadha ad-din. La quintessence et le sens de ces propos faisait dans l'unanimité chez les vieux prédécesseurs. C'est pour ça que c'est une parole en or. Une parole sur laquelle les vieux prédécesseurs se sont accordés ne peut être qu'une parole authentique, relevant de la guidée. Parce que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'accordait pas sur ce qui n'est pas authentique. Et plus particulièrement, les vieux prédécesseurs. C'est donc une parole que nous devons décrire avec l'encre d'or, mais surtout que nous devons de mémoriser et de mettre en pratique les enseignements que renferme cette parole. Cette science représente une religion. Que veut dire cette parole? Et quelle est la science auquel l'imam Ibn Sirin, rahimahullah, fait allusion ici? Il fait allusion à la science dont la recherche a été légiférée par Allah. L'ensemble des enseignements transmis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière. Ces enseignements qui constituent une miséricorde pour cette humanité. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Mais qu'est-ce qui faisait cette miséricorde? La chair du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses vêtements ou la révélation qu'il avait reçue et la science qu'il propageait. Ajibou, qu'est-ce qui constitue cette miséricorde? C'est la science qui en découle de la révélation. Allez, ça t'a dit. Al-ilm shar'i min rahmatillah. La science légiférée, la science islamique fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette science permet à l'homme de sortir des ténèbres vers la lumière. Allez, Sakalali. Donc, la science auquel l'imam fait allusion ici, c'est la science islamique. Et c'est la science profitable qui permet aux serviteurs d'être à l'abri du feu de l'enfer. Et c'est la science qui a été définie par l'imam Ibn Rajab dans son livre Bayan Fadl al-Ilm al-Salaf ala al-Khalaf. Qala rahimahullah
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها. La science légiférée qui est la science utile, profitable de toutes les sciences qui existent. هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. La science utile de toutes les sciences qui existent, c'est la maîtrise des textes du Coran et de la Sunna. وفهم معانيهما وفهم معانيها, et la compréhension des sens des textes du Kitab et de la Sunna. والتقيد في ذلك, et le fait de se canaliser dans la compréhension de ces textes, bil ma'thur 'an as-sahaba, le fait de se canaliser dans la compréhension des textes, de canaliser sa compréhension des textes par ce qui a été rapporté des compagnons, par la compréhension des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que celle de leurs disciples, les tabi'in wa tabi'ihim, de même que celle des disciples des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن هؤلاء من القرون المفضلة, parce que ces trois générations sont les trois meilleures générations. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure génération est ma génération, ensuite celle qui la suit, ensuite celle qui la suit, la génération du prophète et des compagnons, ensuite celle des tabi'in, ensuite celle des atba'i tabi'in. Pourquoi? Parce que les compagnons ont reçu l'éducation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les tabi'in ont été éduqués par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les atba'i tabi'in ont été éduqués par les tabi'in qui ont reçu l'éducation des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc canaliser sa compréhension des textes de la révélation par la compréhension de ces trois générations. Wa fima warada anhum min al-kalam fi masail al-haram al-halal wal-haram. Il faut également étudier ce qui a été rapporté de ces derniers dans les questions relatives au licite et à l'illicite, وَالزُّهْدِ l'ascétisme, وَالرَّقَائِقِ وَالْمَعَارِفِ, et الرَّقَائِقِ c'est la finesse, وَالْمَعَارِفِ de même que d'autres connaissances, وَغَيْرِ ذَلِكِ et bien d'autres, وَالْإِجْتِهَادِ عَلَى تَمْيِيزِ صَحِيحِهِ مِنْ سَقِيمِهِ, de même que le déploiement d'efforts dans la détermination de ce qui a été rapporté de ces derniers de manière authentique, de ce qui a été rapporté par des chaînes de transmission non authentiques. ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا, et après avoir déployé l'effort dans la détermination de ce qui a été rapporté de ces derniers par des chaînes de transmission authentiques, de ce qui n'a pas été rapporté par une chaîne de transmission authentique, il faut s'efforcer à comprendre comme ils avaient compris. وَفِي ذَلِكَ كِفَايَ لِمَنْ عَقِلَ, et il y a en cela une suffisance pour celui qui a la raison. وَشُغُلٌ لِمَنْ بِالْعِلْمِ النَّافِ عَنَا أَوْ عَنِيَ وَاشْتَغَلَ, et il y a en cela une occupation pour celui qui s'intéresse à la recherche de la science. Ce que nous avons voulu par cette définition de la science utile, c'est indiquer la science auquel l'imam
Ibn Sirin rahimahullah fait allusion. C'est cette science qui a été définie auquel il fait allusion. Cette science a une voie à suivre. Quand tu veux accéder à une science utile qui puisse te permettre d'accéder au paradis et d'être à l'abri du feu de l'enfer, il faut savoir que cette science a une voie. Inna hada al-ilm, yani al-ilm al-nafi wal-ilm al-shar'i. Donc c'est la science légiférée, la science utile, profitable, qui est celle que nous avons définie à travers la définition de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. طيب قال إن هذا العلم دين. Cette science que nous avons suivie dans la définition de l'imam Ibn Rajab, c'est la religion, c'est une religion. طيب ما معنى هذا الكلام. Que veut dire cette science est une religion? Ça veut dire l'une des deux choses. Et les deux sens sont authentiques. Le premier sens, c'est que cette science en soi-même, c'est la religion. Parce qu'en réalité, tout acte d'adoration posé par l'homme, non, c'est la somme de ce qu'il possède comme science relative à cet acte. Yani, les actes d'adoration que nous posons, c'est la traduction de la science que nous avons de cet acte. Allez, Sakamali. Tout acte d'adoration que nous posons est la résultante de ce que nous possédons comme science relative à cet acte. Donc l'acte, c'est la conséquence de la science. Donc la science, c'est même la religion. Ça veut dire que, et ça dit tout de l'importance de ce thème. Parce que ça veut dire que si on possède, si on détient une mauvaise science, on sera un mauvais adorateur. Si on possède une mauvaise science, on sera un mauvais adorateur. Walahu adilla kathira. Il a été rapporté dans un hadith authentique qu'un homme était entré dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et s'est mis à prier. Après, il est allé vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فانك لم تصلي. Il a fait salam au prophète et le prophète lui a répondu. Ensuite, il lui a dit: retourne prier car tu n'as pas prié. L'homme retourna prier. Et pour bien comprendre la quintessence de ce hadith, il faut méditer sur l'attitude que peut avoir un compagnon lorsqu'après avoir accompli la prière, le prophète lui dit: retourne prier car tu n'as pas prié, alors qu'il l'avait vu en train de prier. Hein? Le compagnon dans sa deuxième prière sera plus appliqué, allez Sakadari, et plus concentré, et fera tout pour réparer l'erreur qu'il a commis dans sa prière. Et malgré ça, lorsqu'il a prié pour la deuxième fois, le prophète lui a dit: retourne prier car tu n'as pas prié. Et lorsqu'il est revenu pour la troisième fois, le prophète lui a dit: retourne prier car tu n'as pas prié. Fafahima al-Nalil m'a dit Hina Idi. À ce moment précis, ce compagnon a compris que la science c'est la religion et que la religion c'est la science. Et que l'adoration c'est même la science. Que la base de l'adoration c'est même la science. C'est pour ça qu'il a dit: Ya Rasulallah. والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. Il a dit: oh noble prophète, de par le nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne maîtrise pas une science autre que, je ne maîtrise pas une prière autre que tu m'as vu accomplir. Et lorsqu'il a dit ceci, il a lui-même compris d'où venait le problème. Il a dit: enseigne-moi. Ça veut dire que le problème était au niveau de sa science. Allez, Sakadali. Le problème était au niveau de sa science. Et quand sa science a été rejetée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Il a compris. Et c'est pour ça qu'il a commencé par « De par le nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité. » Comme pour dire que la science qui vient de toi est la science authentique. Et relève de la vérité. Alors que toute science venant d'un autre en dehors de toi ne relève pas de la vérité. C'est pour ça qu'il a voulu purifier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَهَا. La prière que tu m'as fait accomplir, je ne maîtrise pas une autre prière autre que celle-là. Ça veut dire que le problème était au niveau de la science et qu'il possédait de la prière. قَالَ فَعَلِّمْنِي. Enseigne-moi donc. Ça veut dire que l'authenticité d'un acte d'adoration commence par l'authenticité de la science que détient le serviteur. De la science relative à cet acte d'adoration que détient le serviteur. C'est donc là une preuve claire que la science c'est la religion et que la religion c'est la science. C'est pour ça que la religion de l'islam c'est la religion de la science. On ne peut pas dissocier les deux. Inna hada al-ilma dinun. Sache donc, nobles frères et sœurs, que tout acte d'adoration que tu accomplis repose sur la science que tu détiens de cet acte d'adoration. Et c'est pour ça que, islamiquement, il est extrêmement dangereux de poser un acte d'adoration sur la base de l'ignorance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit une invocation importante que nous répétons au moins 17 fois par jour. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Qu'est-ce que la voie droite? La voie droite, c'est la voie de la connaissance authentique qui engendre la mise en pratique. Sirat al-mustaqim, c'est la voie de la connaissance authentique. C'est la voie de l'adoration sur la base de la science. Sirat al-mustaqim, c'est la voie de l'adoration sur la base de la science. Yadul lulillah alika. La suite du verset. C'est pour ça que Allah dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Guide-nous sur la voie droite. La voix de ceux dont tu as comblé par tes biens, par tes bienfaits. Man hum ha'ola. Qui sont ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah? Oman yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hal min dhilli ha'ula'i juhal? Est-ce que parmi cette catégorie de personnes, vous avez entendu parler des ignorants? An-Nabiyyin. Qui sont les prophètes? Ce sont les premiers savants. Allez, Sakharali. Was-Siddiqin. Man huwa ala rasi Siddiqin. Siddiqu hadhihi al-umma. Wa huwa a'lamu an-nas ba'da al-anbiya. Et vient en seconde position qui Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et tous les véridiques. Et à la tête de ces véridiques, Abu Bakr al-Siddiq, qui est le premier savant après les prophètes. Wa shuhada, les martyrs, ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Et est-ce qu'on peut être martyr si on est ignorant? Non? Est-ce qu'on peut être martyr si on est ignorant? Qui sont les premiers martyrs? Les autres martyrs ne sont martyrs qu'à travers les premiers martyrs qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kulluhum ulama. Et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient tous des savants, même si leur science variait d'un individu à un autre. Mais ils étaient tous des savants. Wa salihin. Et comment est-ce qu'on peut être un homme pieux si on est ignorant? La piété ne s'accorde pas avec l'ignorance. Ça veut dire que alladhina an'ama Allahu alayhim. S'il faut que tu trouves un mot qui regroupe toutes ces personnes, c'est quoi? Al-ulama. C'est pour ça que dans la suite du verset, Allah dit ghayril maghdubi alayhim.
et non la voix de ceux qui ont engendré ta colère. Qui sont ces derniers? Comme le prophète l'a dit, l'a signifié dans le hadith, Al-Yahoud. Et quel est le trait caractéristique qui particularise les Yahoud? Annahum alimu walam ya'malou. Ils ont su sans œuvrer. Wa nasara jahilu wa abadullah ala jahlin. Eux, ils ont ignoré et ont adoré Allah sur la base de l'ignorance. Ça veut donc dire que la suite du verset vient nous déterminer à Sirat al-Mustaqim. C'est la voie de ceux qui savent et agissent sur la base de la science. Et non la voie de ceux qui savent sans agir, savent sans œuvrer. Et ceux qui œuvrent sans science. Idan, inna hadha al-ilma dinun. Hazamanan. Et l'autre sens, c'est que la recherche de cette science est une adoration. Inna hadha al-ilma dinun. Yani, talabu hadha al-ilm dinun. La recherche de cette science est une adoration. Parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré fait partie de ce qu'Allah aime et agrée. Et tout ce qu'Allah aime et agrée, c'est un acte d'adoration. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Interrogez les sciences, sur les gens des sciences, si vous êtes ignorants. Donc Allah a légiféré ici pour la recherche de la science. وقال الله تعالى وما كان مؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Il n'appartient pas aux croyants de tous sortir, d'aller tous combattre sur le sentier d'Allah là. Mais il faut qu'un groupe de personnes parmi les croyants vont à la quête de la science, vont à la recherche de la science. Et par la suite revient informer le peuple. Donc Allah a légiféré la recherche de la science. بل رتب الله سبحانه وتعالى على طلب العلم الأجور. Allah سبحانه وتعالى est même allé jusqu'à rattacher à la recherche de la science un certain nombre de mérites. Ça veut dire que c'est un acte d'adoration. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. Quiconque sort pour la recherche de la science demeurera sur le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Aller à la quête du savoir, c'est se mettre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le sentier d'Allah ne conduit qu'au paradis. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte le chemin de la recherche de la science, en recherchant à travers cette empreinte du chemin la science légiférée, Allah lui facilitera par cela l'accès au paradis. إذن طلب العلم عبادة. طيب إن هذا العلم دين. On a les deux sens maintenant. Cette science en soi-même représente la religion. Et la recherche de la science est un acte d'adoration, c'est la religion. طيب فانظروا أمن تأخذون دينكم. Regardez donc de qui vous prenez votre science. Regardez donc de qui vous prenez cette science. Yahri, s'il est établi que tout acte d'adoration, c'est la résultante de la science que possède le serviteur par rapport à cet acte. Non? Tout acte d'adoration est la résultante de la science que possède le serviteur par rapport à l'acte posé. Allez, Sakadari. Ça veut dire que l'on se doit de faire attention. Dans la suite de la parole de l'imam n'est qu'une suite logique. Parce que s'il en est ainsi, Yahri, ça veut dire que si tu prends une mauvaise science, automatiquement, tu vas poser un mauvais acte d'adoration. Or, islamiquement, il est établi que quand on pose un mauvais acte d'adoration,
quand on adore Allah mal, il se peut qu'on se retrouve en enfer pour avoir adoré mal Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut bien voir de qui on prend cette science. Parce qu'il se peut qu'on prenne l'ignorance, c'est quelqu'un. Et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute une vie. Et qu'à la fin, on se retrouve en enfer. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand nous l'amenons comme un musallim, nous l'amenons comme notre imam miskin. C'est pour ça que quand on met les innovateurs en garde et leur demande de cesser, de faire ces innovations qu'ils appellent sadaqa, après la mort d'un proche, ce n'est pas parce que tu penses faire sadaqa que ce que tu as fait est sadaqa. Il se peut que le jour de la résurrection, tu dises lam nakum min al musallim wa lam nakum nut'im al miskin. Naam. Ce que les innovateurs font après la mort en prétendant que c'est la sadaqa, ce n'est pas la sadaqa en islam. Pour plusieurs raisons que nous n'allons pas évoquer maintenant. Mais je vais citer un exemple simple qui nous permet de comprendre la gravité de l'ignorance. As-sadaqa, ibada. La sadaqa est une adoration légiférée par qui? Allah. Et parmi les particularités de la sadaqa, qui diffère la sadaqa, qui dissocie la sadaqa? Qui dissocie la sadaqa du don? Parce qu'il y a une différence entre le don et la sadaqa. Le don, on l'attribue à n'importe qui. Le don, ce n'est pas du cadeau. On peut faire un cadeau à un riche. Allez, sakadali, mais on ne peut pas faire une sadaqa à un riche. Qala Allah Ta'ala, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin ila akhir al-aya. Certes, les sadaqat, toutes les sadaqat ne sont que pour les pauvres et les besogneux. Quand les innovateurs font ce qu'ils font là, est-ce qu'ils donnent seulement aux pauvres et aux besogneux? Au contraire, ils donnent à qui? Aux riches, à ceux qui sont nantis. Et ce n'est même qu'après que ces derniers se servent que les pauvres viennent se servir. Allez, sakadali, il en a dit, il est sadaqa. Ce n'est pas la sadaqa. Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans ça? Parce qu'ils ont écouté des personnes qui n'ont pas une identité établie en science, qui ont pris le devant de la scène, mais qui en réalité ne propagent que de l'ignorance. Voilà pourquoi il faut faire attention. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Prenez donc garde et faites attention. Regardez de qui vous prenez votre religion, de qui vous étudiez cette religion. Ça, c'est la première raison. Parce qu'il se peut que ce que vous prenez comme science soit l'ignorance pure. Et que sur la base de cette ignorance, vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour ce qui est du premier sens. De inna hadha al-ilma dinun. Maintenant, si nous revenons au deuxième sens, selon laquelle la recherche de cette science est une adoration, il faut savoir que chaque chose a une voie en islam. Et tant que tu n'as pas emprunté cette voie, même si tu as une bonne intention, ta bonne intention ne transforme pas ce qui est mauvais en bon. Yani, si tu empruntes le chemin de la recherche de la science, parce que c'est un acte d'adoration, et va étudier chez n'importe qui, ta bonne intention ne va pas transformer ta négligence dans le choix de celui de qui tu étudies en un acte d'adoration. Abadan. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Quiconque veut l'Akhirah, le paradis, quiconque veut le paradis, quand on emprunte le chemin de la science, de la recherche de la science, qu'est-ce qu'on veut? C'est le paradis. Allez, sakada, allez. Taïb. Mais remarquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a dissocié l'intention et l'empreinte du chemin comme il se doit. Il a dit, quiconque veut le paradis, tout en empruntant le chemin qui mène vers le paradis,
tout en étant croyant, alors ceux-là sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît leur effort. Les récompenses, l'effort. Ceux-là sont ceux dont Allah récompense l'effort. Subhanallah. Ça veut dire que celui qui veut l'au-delà et emprunte le chemin de l'enfer, Allah ne récompense pas son effort. Sa bonne intention ne transforme pas. Non? Sa mauvaise action en bonne action. C'est pour ça que nous avons toujours dit que il faut faire attention à une interprétation erronée du hadith Innamal A'malu Binniyat, selon laquelle les actes ne valent que selon l'intention. C'est-à-dire, quel que soit l'acte posé, à partir du moment où on a une bonne intention, c'est une bonne chose. Allez, c'est canali. Allez, ça, bisahi. Allez, ça, bisahi. Les actes légiférés ne valent que selon l'intention. C'est-à-dire que quand tu poses un acte, il faut que l'acte soit d'abord correct. Ce n'est que quand l'acte est correct qu'on regarde ton intention. Si l'intention par la suite est bonne, alors tu auras la récompense de l'acte proportionnellement à ton intention. Mais si l'intention est bonne, alors que l'acte posé n'est pas légiféré, cet acte ne peut pas te conduire au paradis. Tarju najata wa lam tasluk maslakaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Tu aspires à la réussite alors que tu n'as pas emprunté le chemin de la réussite. Le bateau ne flotte pas sur terre, mes frères, disait le poète. Le bateau ne flotte pas sur terre. Ça veut dire que si on veut aller à Douala et emprunter le chemin de Yaoundé avec l'intention d'aller à Douala, est-ce que notre bonne intention peut transformer le chemin de Yaoundé en chemin de Douala? C'est la même chose dans l'adoration. Si tu aspires au paradis, si tu es sincère, tu fais pour Allah, alors que ce que tu fais, ce n'est pas ce qu'Allah a légiféré. Alors que tu n'as pas été bienfaisant dans ce que tu es en train de faire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs que lorsqu'ils posent des actes, qu'ils le font tel qu'il l'a prescrit. Inna Allah yuhibbu min abdihi idha amila amalan an yutqinahu. Allah aime du serviteur que lorsqu'il pose l'acte, qu'il le fasse tel qu'Allah l'a légiféré. C'est-à-dire qu'il le fasse correctement. C'est pour ça que dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah katab al-ihsana ala kulli shay. Allah a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Et la bienfaisance, c'est le fait d'agir comme il se doit. Ça veut dire que la bienfaisance dans l'apprentissage, dans la recherche de la science, c'est d'étudier. De qui on se doit d'étudier. Or, on sait tous que ce ne sont pas seulement ceux qui ont étudié, ceux qui ont une identité intellectuelle définie, établie, qui ont pris le devant de la scène dans l'enseignement, dans la prédication, dans l'appel. Au contraire, chaque jour, les réseaux sociaux nous pondent les savants. Quand on vit dans un tel milieu et quand on est confronté à une telle réalité, comment est-ce qu'on peut se permettre d'étudier chez n'importe qui? Alors que cette science représente ta religion, Yahri, l'ensemble des pratiques religieuses que tu fais, c'est la somme des sciences que tu possèdes. Et ces sciences, tu l'as appris quelque part. Si c'est une science authentique, il est proche que tu poses des actes corrects. Et si c'est une science biaisée, alors tes actes seront biaisés et par conséquent invalides. Qu'Allah nous en préserve. C'est donc un sujet important, ya ikhwa. Et une base établie par nos pieux prédécesseurs. Inna hadha al-ilma dinun. Fangoru amman ta'khuduna dinakum. Regardez donc de qui vous prenez votre science. Et avant qu'on en arrive là, est-ce que ça avait toujours été comme ça? Là, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'identité intellectuelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Là, Allah subhanahu wa ta'ala
établi l'honnêteté intellectuelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que son identité. Et c'est à travers les textes du Coran. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait part de ces textes. Qala Allah ta'ala, allamahu shadidul quwa. Il fait allusion à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été enseigné par une créature dotée d'une force puissante. Il fait allusion à qui? Jibril alayhi salam. Il a été enseigné. Regardez le terme utilisé par Allah, allamahu. Quelqu'un a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui n'est pas n'importe qui? Quelqu'un qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah a élevé parmi les anges. Qui? Jibril alayhi salam. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Le Coran, la révélation a été descendue, ou alors a été transmis par qui? Par Jibril, c'est lui qui est descendu avec du ciel. C'est l'âme fidèle. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala yuzakihi. Il est fidèle dans la transmission de ce qu'il a reçu. Nazala bihi ruhul amin. C'est lui qui est descendu avec la révélation. C'est un esprit fidèle. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Tayyib. Quel est l'enseignement que nous tirons de ces versets? Ya akhwa, quel est le premier verset qui a été révélé du Coran? Iqra. Hazad din, dinul ilm. Le premier verset qui a été révélé, c'est lui. C'est lui qui demande à quelqu'un de lire qui pour lui. Ajibu. C'est lui qui demande à quelqu'un de lire qui pour lui. Son enseignant. Jibril était l'enseignant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que toute personne prétendant suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se doit d'avoir son enseignant comme le prophète avait son enseignant. Toute personne prétendant suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit commencer par ce par quoi avait commencé la révélation, avoir son enseignant. Et cet enseignant ne doit pas être n'importe qui. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les textes, a établi l'identité intellectuelle de Jibril alayhi salam et nous a fait part de sa fidélité, afin qu'on sache qu'on ne prend pas de n'importe qui. C'est donc une règle qui a été tirée par les pieux prédécesseurs du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens de science. C'est un ordre. C'est un ordre et c'est une obligation divine. Aux serviteurs de ne interroger que les gens de science, c'est-à-dire les gens qui ont une identité intellectuelle établie dans un domaine. Dans le domaine. Non? Dans laquelle tu les interroges. Fas'alu ahla dhikr wa mafhum al-mukhalafa la tas'alu man laysa bi ahli al-dhikr. Et la compréhension qu'implique le sens de ces versets, c'est que n'interrogez pas ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié. Ceux qui n'ont pas une identité intellectuelle établie. C'est pour ça que lorsque les pieux prédécesseurs avaient constaté que la communauté musulmane est en train de reculer et de laisser certains enseignements du Coran, ils ont établi certaines bases permettant aux croyants de rester sur la même ligne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils savent, parce que les pieux prédécesseurs savaient que quiconque s'écarte de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est voué à l'égarement. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
La yaziru anha illa halikun. Je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour. Ne délaisse cette voie qu'une personne vouée à l'égarement. Lorsque les pieux prédécesseurs ont constaté que la communauté était en train de s'écarter de la voie tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont établi des bases permettant aux serviteurs de se maintenir sur cette voie. Et parmi ces bases, inna hadha al-ilma dinun famdhuru amman ta'khuduna dinakum. C'est pour ça que il a été rapporté d'après Bashir al-Adawi qu'il est venu, qui était un tabi'i, pour qu'on comprenne quand est-ce que les troubles ont commencé à naître dans la communauté et quand est-ce que les pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à établir des règles permettant aux serviteurs d'être à l'abri de l'égarement dans la recherche de la science. Ja'a Bashir al-Adawi, qui était un tabi'i, il a ibn Abbas, il est venu voir Ibn Abbas radiallahu anhu. Faja'ala yuhaddith, il a commencé à rapporter du prophète des récits. Qala rasul wa yakulu qala rasulullah. Et chaque fois il disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Faja'ala ibn Abbas la ya'zanu li hadithihi. Et Ibn Abbas s'est mis à n'accorder aucune importance au récit qu'il faisait. Wa la yanzuru ilayhi. Il ne le calculait même pas, il ne regardait même pas où il était. Alors qu'il disait quoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Idan ma za tata'allam min hada ya akhi. Quand à un niveau, ce n'était plus ce qui intéressait les compagnons. Qu'une personne dise Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était plus suffisant. Parce que la religion de l'islam tient compte des réalités. Quand les temps changent et que les gens s'éloignent des tests de la révélation, il faut accepter cette réalité et les considérer comme telles. Et admettre la réalité et ne pas vivre sur terre comme si on vivait au ciel. C'est pour ça que Ibn Abbas, il a adopté cette attitude et n'a pas prêté attention à ce que disait Bashir al-Adawi. Il ne le regardait même pas. Et Bashir al-Adawi, connaissant l'intérêt que portaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au récit prophétique, a été choqué par l'attitude de Ibn Abbas radiallahu anhu. Faqala ya Ibn Abbas, ma li la araka tasma'u li hadithi. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع إلى جي هو ابن عباس كاتو دو vient-il que tu aies cette attitude alors que j'évoque le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم alors que je récite des paroles venant du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس قولا محكما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهذا تجدونه في مقدمة صحيح مسلم. الإمام ابن عباس a dit, à l'époque, lorsque nous entendions une personne dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, nos regards le suivaient et nos oreilles, nos regards le suivaient de même que nos oreilles. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète, des compagnons, personne n'osait mentir. Les compagnons du prophète Mohammed sallam étaient tous des véridiques. Aucun menteur parmi les compagnons du prophète Mohammed
صلى الله عليه وسلم لذلك زكاهم الله سبحانه وتعالى فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثبتوا على دين الله كما أنزله الله سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a parmi les croyants, des hommes qui ont été véridiques vis-à-vis de l'engagement qu'ils ont pris devant Allah. L'engagement que le serviteur a pris devant Allah, c'est lui d'adorer Allah et de vivre pour ce pourquoi il a été créé. Il y a des hommes qui ont été véridiques sur cette base et qui sont morts sur le champ de bataille pour défendre cette cause. Et il y en a parmi ces croyants, parmi les croyants, ceux qui s'attendent encore au Mabadalu Tabdila et qui n'ont rien changé. Ils ont mis en pratique les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tels que révélés, et ils n'ont pas changé. C'est pour ça qu'ils ont mérité les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن إلى آخر الآيات les tout premiers parmi les musulmans parmi les muhajirin ceux qui avaient fait la hijra de la Mecque pour Médine والأنصار et ceux qui les avaient accueillis les ont secourus et les ont soutenus هؤلاء الأنصار. Regardez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a poursuivi en disant وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ de même que ceux qui les ont suivis dans la bonté. Subhanallah. Allah n'a plus eu besoin de rappeler qu'eux ils étaient dans la bonté. Il a juste fait comprendre que on ne peut être véritablement croyant qu'à travers le suivisme de ces derniers. Il a dit de même que ceux qui les ont suivis dans la bonté, radiyallahu anhum wa radu an. Ils ont agréé Allah et Allah les a agréés. Ça veut dire qu'on ne peut se faire agréer par Allah qu'à travers le suivisme des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses dans lesquelles nous devons de les suivre, c'est la mise en pratique des enseignements qui découlent des bases établies par ces derniers, telles que cette base établie par l'imam Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il dit, à l'époque, lorsque nous entendions quelqu'un mentionner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos regards le suivaient de même que nos oreilles. « Falamma rakiban nasu as-sa'ba wal-thaloun » Et lorsque les gens ont commencé à tout mélanger, lorsque les gens ont commencé à mélanger la vérité et le mensonge, à ne plus faire attention à la vérité et au mensonge, à faire comme si tout était pareil, menti dans la religion comme n'est pas menti. Lorsque nous avons touché cette réalité de nos mains, Sirna. Alors nous avons changé de comportement et nous n'acceptions plus des gens que ce que nous connaissons, nous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Je ne sais pas si on a compris. Ibn Abbas préfère perdre un hadith qu'il n'a pas entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il faut qu'il entende ce hadith de quelqu'un qui ne connaît pas. De quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce que c'est ce que ça veut dire. Il a dit que lorsque les gens ont adopté cette posture, alors nous aussi nous avons adopté une posture pour les contrecarrer. Quelle est la posture? Nous n'acceptions plus que ce que nous connaissons. Que ce que nous connaissons. Taïb, et méditez ici, quand il parle de ce qu'il connaît, il parle de ce qui vient des personnes connues. Il fait allusion à ce qui vient des personnes connues pour avoir étudié, qui ont une identité intellectuelle établie. Parce que ici, Ibn Abbas n'a même pas prêté attention à ce qu'il disait. Donc si on comprend cette parole, qu'ici Ibn Abbas faisait plutôt allusion
à ce qu'il possédait comme science. Ça ne tient pas. Parce qu'il n'a même pas fait attention pour pouvoir voir s'il détient cette science. Ça veut dire que ce à quoi il fait allusion, c'est que nous ne prenions plus que des personnes que nous connaissons, qui ont une identité intellectuelle établie. Idan hada manhajuman. Manhajus sahaba. Huwa manhajul huda. Et c'est la voie de la guidée, c'est la voie de la foi. Que de faire attention à ceux de qui on apprend quelque chose en religion. Parce qu'Allah a été clair et explicite. Il n'a ordonné aux serviteurs de n'interroger que les gens de science. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas établi qu'une personne a une relation avec la science, a une identité intellectuelle établie, il n'est pas permis en islam qu'on lui pose la question en religion, qu'on prenne quoi que ce soit de lui en islam. C'est pour ça que l'imam Ibn Sirin a dit kana an-nas la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitna falamma rakiba an-nas as-sa'ba wadh-dhalula falamma waqa'atil fitna undhuru kayf tashabahat aqwaluhum li'annaha min mishkatin nubuwah li'annahum talaqqaw hadha al-'ilm wa akhadhu hadhihi at-tarbiya min mishkatin nubuwah. Regardez comment les propos des pieux prédécesseurs, malgré le tabakat, que tout argument à tabakat, malgré le degré, s'accorder, malgré les générations, malgré la différence qui existe entre leurs générations, parce qu'ils puisaient dans la même source, la source de la prophétie. L'imam Ibn Sirin, rahimahullah, dit كان الناس لا يسألون عن الإسناد. À l'époque, les gens ne s'interrogeaient pas pour ce qui est de la chaîne de transmission, pour ce qui est de l'établissement de l'identité intellectuelle de celui qui parle en religion, parce qu'il n'y avait pas de désordre. C'était connu qu'en islam, ce n'est que les hommes de science qui parlent. Et c'était des véritables croyants à l'époque. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. Ils avaient compris qu'en islam, ce ne sont que ceux qui ont étudié qui parlent. Ils sont restés sur cette base. Ils sont restés fermes sur ce principe établi par la charia. Mais lorsque les gens ont changé, il fallait que les pieux prédécesseurs adoptent une posture leur permettant d'être à l'abri de cet égarement. Il dit كان الناس لا يسألون عن الإسناد. Les gens à l'époque ne posaient pas de questions pour ce qui est de la chaîne de transmission, pour ce qui est de l'identité intellectuelle de celui qui parle. Falamma waqa'atil fitna. Mais lorsque le trouble a frappé la communauté, et le trouble auquel il fait allusion ici, c'est le trouble qui s'est matérialisé par l'assassinat de Uthman radiallahu anhu. Vous savez que après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a pris le règne et s'est battu pendant ces années de règne, ces deux ans de règne, à maintenir les gens sur la voie. Et lorsque Omar radiallahu anhu il est venu, Abu Bakr avait déjà réussi à maintenir les gens. Et vous vous rappelez sans doute de son discours après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Quiconque adorait Muhammad, certes Muhammad est mort. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد n'est rien d'autre qu'un prophète. قد خلت من قبله الرسل. Et avant lui il y avait des prophètes. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont morts. Donc Muhammad mourra. Ou alors s'il est tué, vous allez retourner sur vos pas. Mais subhanallah, lorsque le prophète est mort, c'était une épreuve difficile. C'est la première épreuve difficile qui a secoué la communauté musulmane. Même Omar a perdu le contrôle. Et a sorti son épée, a dit quiconque dit que Muhammad est mort va le rejoindre.
Mais subhanallah, cette rage n'a pas empêché Abou Bakr de dire la vérité. Et regardez l'attitude des compagnons et la vérité de verset. La rage de Omar n'a pas résisté lorsqu'il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنما كان قولهم إنما كان قول المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمينا وأطعنا. La barrière qui existait entre les compagnons et la mise en pratique des enseignements des textes du Coran, c'était l'écoute de ces enseignements. Lorsqu'ils écoutaient, ils mettaient en pratique. C'est pour ça que lorsque Abou Bakr radiallahu anhu a établi cette réalité en citant la preuve, Omar s'est soumis. Il a dit, quiconque adorait Muhammad, Muhammad est certain mort. Quant à celui qui adorait Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant par excellence qui ne connaît pas de mort. Et en réalité, ces deux ans de règne étaient bâtis sur cette base. La maintenance des musulmans dans la religion. Après lui est venu Omar radiallahu anhu. Et il a poursuivi les conquêtes qui ont été engagées à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et est même allé au-delà de ces conquêtes. Et des nouvelles terres ont été conquises et sont devenues musulmans. Le problème, c'est que la majorité de ces terres, parce qu'il est plus facile de maîtriser les gens lorsqu'ils sont peu. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Abou Bakr al-Siddiq, les musulmans étaient peu par rapport à la croissance du nombre de musulmans que la communauté a connu à l'aide de Omar radiallahu anhu à travers les conquêtes. Mais le problème, c'est que quand on transforme des terres mécréantes en terres musulmanes, à travers l'islamisation des mécréants, ils embrassent l'islam, non, avec les séquelles de la mécréance. Et c'est un travail qui suit tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se joue du jour au lendemain. Même les prophètes, même les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas échappé à cela. Vous connaissez tous le hadith de Abi Waqid al-Layfi radiyallahu anhu. Il dit: kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi Hunayn wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Nous sommes sortis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn, alors que nous sortions fraîchement de la mécréance. Pourquoi est-ce qu'il a rappelé cela? Parce que l'acte qu'ils ont posé relevait des séquelles de la mécréance. Lorsqu'ils ont vu les mécréants, les idolâtres accrocher leurs lances et leurs outils de guerre sur un arbre en guise de recherche de bénédiction, ils ont dit: Ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. À la kulli hal, même les compagnons n'ont pas échappé à cela. Donc, quand la communauté a grandi et que les gens sont entrés dans l'islam et qu'il fallait le temps pour que les gens abandonnent les séquelles de la mécréance, certains ennemis de l'islam ont profité pour utiliser ceux qui avaient encore ces séquelles pour combattre l'islam. C'était des ennemis de l'intérieur. Wa ala rasihim man na Abdullah ibn Saba al-Yahoudi. Il y avait à leur tête Abdullah ibn Saba, le juif qui s'était islamisé dans le seul et unique but de combattre l'islam. Il a donc utilisé ces personnes qui venaient d'embrasser l'islam et qui avaient encore en eux des séquelles de la mécréance. Et c'est là qu'on a commencé à voir des gens qui mentaient en islam. C'est comme ça que le mensonge est né en islam. Et plus particulièrement dans la religion, que les gens ont commencé à inventer des hadiths et à rapporter du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'avait jamais dit. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à utiliser la religion comme un moyen leur permettant d'accéder au pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont assassiné qui? Le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, le troisième calife de l'islam, min al-Mubashiri Nabil Janna, qui faisait parmi des hommes qui avaient reçu la bonne nouvelle d'être au paradis alors qu'ils étaient encore vivants.
malgré ça ils l'ont assassiné, malgré son statut établi en islam. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été utilisés. Est-ce que les prédécesseurs, face à cette réalité, se sont tus? Là, ils se sont levés et ont établi des bases bâties sur les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bases permettant aux musulmans de rester sur la voie de la rectitude. الآن خلاص ليس العالم من تكلم بالعلم وليس العالم من قال الله قال الرسول بل العالم من عرف بالعلم وثبتت إمامته وظهرت عدالته هذا هو العالم فقالوا سموا لنا رجالكم alors à ce moment ils ont dit précisez-nous qui sont vos hommes, c'est-à-dire les hommes des sciences. À partir de ce qui s'est passé, on a compris et c'est clair que l'homme de science n'est plus celui qui dit Kala Allah, Kala Rasoul, parce qu'il existe des menteurs maintenant. Des gens ont infiltré le cercle des savants. Non? Et les gens ont eu le courage de parler en religion sans science. C'est une réalité qu'on ne peut plus nier. Alors, comment faire pour s'en sortir face à cette réalité? Alors il faut que ceux qui sont déjà connus pour être des hommes de science, qui ont déjà une identité intellectuelle établie, nous disent qui sont les hommes de science. Nous précisent qui sont les hommes de science. وَتَعَمَّلُوا فِي كَلَامِهِ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهَذِي قَائِدَةِ فَالْعَالِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا سُنِّيًّا فَمَنْ لَيْسَ بِسُنِّي فَلَيْسَ بِعَالِمٍ Afin qu'on voit qui sont les gens de la sunna. Ça veut dire que quoi? La science ne conduit que vers la sunna, la science profitable, la science légiférée par Allah. Celle enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne conduit que vers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque s'écarte de la voie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'il mémorise le Coran et Sahih al-Bukhari, est un ignorant. Du point de vue de la charia à la compréhension des pieux prédécesseurs, parce que c'est ce qu'ils avaient compris. Kalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah. Précisez-nous qui sont les hommes de science afin qu'on voit qui sont les gens de la sunnah. Ça veut dire que les hommes de science ne peuvent être que dans le rang des gens de la sunnah, et qu'une personne qui n'est plus dans les rangs des gens de la sunna automatiquement ne peut plus être un homme de science jusqu'à ce qu'il rejoigne le rang des gens de la sunna. Fayunzaru ila ahli sunna fayukhadu minhum wa yunzaru ila ahli albida fala yukhadu hadithuhum wala yultafatu ilayhim. Et afin qu'on distingue les gens de l'innovation et qu'on ne prenne d'eux aucun récit à religion, qu'on ne prête aucune attention à ce qu'ils disent. ولذلك قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. La chaîne de transmission, la vérification de la chaîne de transmission, la vérification de l'identité intellectuelle de celui qui parle fait partie de la religion. لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. Parce qu'en islam, les voies permettant de concrétiser une chose légiférée par Allah, d'atteindre un objectif fixé par Allah, prend le même jugement que cet objectif. Donc, vérifier l'identité intellectuelle de celui qui parle, vérifier la chaîne de transmission fait partie de la religion, parce que ça permet d'adorer Allah comme il se doit. Alors ça fait partie de la religion. قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. N'eut eu la chaîne de transmission, n'importe qui allait dire n'importe quoi. Allahu Akbar. ألا ترون كيف كان فقه السلف وكيف فهموا هذا الأمر الذي يقع الآن قبل أن يقع. Ne voyez-vous pas comment la science des pieux prédécesseurs était profonde? Ne voyez-vous pas
comment la science des pieux prédécesseurs était profonde. Et comment ils ont fait attention à cette réalité que nous sommes en train de connaître en ce moment de trouble. Quand il a dit, ni eu la chaîne de transmission, n'importe qui allait dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? N'importe qui dit n'importe quoi. Et ça veut dire que le musulman qui écoute n'importe qui, automatiquement entend n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que lui, la vue, sont ses bienfaits, font partie des bienfaits. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ne t'intéresse pas à ce sur quoi tu n'as aucune science. Ne te lance pas dans ce sur quoi tu n'as aucune science. إن السمع car certes lui, la vue et les membres, toutes ces choses sont les bienfaits d'Allah au sujet duquel tu seras interrogé. Wallahi, chaque fois que tu prêtes oreille pour écouter une parole en religion, tu seras interrogé par Allah pour avoir écouté cette parole. Non, parce qu'islamiquement, on n'entend pas n'importe qui. On n'écoute pas n'importe qui parce qu'en écoutant n'importe qui, on va entendre n'importe quoi. قال الله تعالى ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد اثيم. Ne suis pas tout grand jureur mépriseur. هماز مشاء بنميم, qui mange avec médisance et colportage entre les serviteurs. Qui est une barrière qui enfreint à l'évolution de la vérité. Y a-t-il une personne qui empêche l'évolution de la vérité qu'une personne qui parle dans la religion d'Allah sans science? Et celui donc qui l'écoute, il favorise l'évolution de ces derniers dans son désastre et dans son désordre. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs avaient dit la an yamuta rajul jahilan khayrun min an yaqula ma la ya'lam. Hada marwiyun an Muhammad ibn Sirin aidan. Qu'une personne meurt ignorante, cela est bien meilleur pour lui qu'il dise une seule parole en science sans connaissance. Qu'il se prononce en religion une seule fois dans sa vie, une seule fois dans sa vie, qu'il meure ignorant. Il est préférable pour lui qu'il meure ignorant, qu'il se prononce une seule fois dans la religion d'Allah sans science. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a classé le fait de parler en religion sans science au rang du péché le plus élevé après le shirk. Allah l'a classé après le shirk. قال الله تعالى إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans ces versets, certains pieux prédécesseurs disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les péchés par ordre croissant. Il est parti des petits péchés vers le péché le plus abominable. Et vous allez constater qu'il a cité un péché après le shirk. Qui est quoi? Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. C'est que tu dises d'Allah ce que tu ne connais pas. Que tu parles de la religion d'Allah sans science. On ne parle pas en islam quand on n'a pas de science.
Taïb. Certains savants ont expliqué pourquoi, ou alors ils ont expliqué l'angle dans lequel le fait de parler dans la religion sans science est plus grave que le shirk. Lorsque quelqu'un commet le shirk, hein, il porte préjudice à sa propre personne. C'est lui qui a commis le shirk, ça le regarde. Allez, ça t'analyse. Mais quand quelqu'un parle dans la religion d'Allah sans science, il peut égarer toute une communauté. Vous imaginez celui qui avait légiféré l'innovation que nos proches font après la mort des défunts, ce qu'on appelle le saraka. Vous ne voyez pas que celui qui a mis sur pied cette innovation a égaré toute une communauté, des tribus, des villages, alors que le mouchrik est dans son coin. Il porte préjudice à sa propre personne. Celui qui parle en religion sur la base de l'ignorance est donc un élément dangereux à éviter à tout prix. Donc, nous devons de craindre Allah, chers frères et sœurs en islam, et de faire attention par rapport à ceux de qui nous étudions cette science. Celui à qui nous prêtons oreille en islam. Parce que nous serons interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام الخطيب ابن بغدادي رحمه الله afin qu'on comprenne, ليس كل من ادعى العلم أحرزه ولا كل من انتسب إليه كان من أهله هذه حقيقة يا إخوة ومن غفل عن هذه الحقيقة أوشك أن يضل. Ceci est une réalité et quiconque fait preuve d'insouciance vis-à-vis de cette réalité, quiconque fait preuve d'insouciance vis-à-vis de cette réalité, il se peut qu'il s'égare. C'est quoi cette réalité? L'imam Khatib al-Baghdadi dit, « Laisse tout le monde dire qu'il m'a ahraza. » Ce n'est pas toute personne qui prétend avoir la science, qui prétend même rechercher la science, qui accède à la science. Ce n'est pas toute personne qui prétend rechercher la science, qui accède à la science. Voilà que le manin tasaba il est yikana min ahlihi. Et ce n'est pas toute personne qui s'affilie aux hommes de science, qui fait partie des gens de science. Il y a qui savait dire que tu dois faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé étudier que forcément il est un homme de science. Et c'est pas parce que quelqu'un se passe pour être un docteur et un science, comme les docteurs que nous prenons dans les réseaux sociaux chaque jour, qui fait partie des hommes de science, qui fait partie de ceux à qui nous nous devons de nous référer en matière de religion. C'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah a dit, la yukhadu l'ilmu ala arba'atin. On n'étudie pas chez quatre personnes. Safihun mu'linu safa. Une personne bête qui expose sa bêtise, qui expose sa bassesse, la yukhadu l'ilmu anhu. Safihun mu'linu as-safa. Wa min as-safa an yatakallam al-insana fi ghayri fannihi. Wa min ilani dhalika ibrazu dhalika. Et parmi les choses qui relèvent de la bêtise, c'est le fait qu'une personne se prononce dans un domaine qui n'est pas le sien. Dans un domaine
dans lequel il n'a pas une identité intellectuelle établie. Et se prononcer dans ce domaine ouvertement, c'est exposer sa bêtise. Et toute personne bête. وقال وصاحب هوى يدعو إليه. Et une personne qui suit ses passions, une personne de passion qui appelle les gens vers sa passion. ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تساهل فيه الناس كثيرا. Et une personne qui est connue pour son mensonge lorsqu'il parle des gens, même s'il ne ment pas lorsqu'il parle du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Yahri, si tu sais, si tu as la preuve qu'une personne a menti, tu ne dois plus jamais étudier chez lui. Parce que s'il est capable de mentir sur les gens, Yahri va mentir sur le prophète. Il va mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun lahu fadlun wa salahun wa la ya'rifu ma yuhadithu bihi. Et une personne, lahu fadlun, qui a le mérite, wasalah, et qui est une personne vertueuse, c'est-à-dire il a le mérite, ses efforts dans la communauté est connu, c'est quelqu'un, mashallah, chaque fois qu'il faut sortir de l'argent, il sort pour Allah. Mais est-ce que ça fait de lui un homme de science, quelqu'un qui doit se prononcer en religion? Et ça fait partie des pièges dans lesquels les musulmans sont tombés. Chaque fois qu'une personne fait l'effort en islam, il devient savant. Elle fait partie de ceux de qui, avec qui on se doit de se référer à la religion. Certaines personnes ont étudié, ils ont fait de grandes études, pas dans l'islam, pas dans le domaine de l'islam. Et à travers leurs études, font beaucoup d'efforts et défendent l'islam. Allez, Sakadali, à travers leur prise de position, mais ça ne fait pas d'eux des savants en islam. Ils n'ont pas le droit de se prononcer en islam. Parce que ce n'est pas ça qu'ils ont étudié. Et ce n'est pas parce qu'ils sont des intellectuels dans d'autres domaines que leur identité intellectuelle établie dans ces domaines leur donne l'autorisation de se prononcer en islam. Il faut faire très très attention. Ça fait partie des pièges dans lesquels les musulmans sont tombés. Chaque fois qu'une personne est célèbre, a du mérite pour ses prises de position, pour sa défense ouverte de l'islam, palace, il devient un modèle à suivre et une personne à qui on se doit de se référer en islam. Imam Malik rahimahullah dit adraktu sab'ina fil madina la yu'khadhu anhum al-'ilm wa law tuminu ala bayt al-mal lakanu umana. J'ai trouvé à Médine 70 personnes vertueuses de qui on ne prenait pas la science. Alors que si on leur avait confié la charge de la trésorerie musulmane, ils auraient été des personnes dignes de confiance. Subhanallah, qu'est-ce que l'imam Malik veut nous faire comprendre? Que ce n'est pas parce qu'une personne est sérieuse, digne de confiance dans ses transactions, fidèle et loyal, qu'il devient un homme de science. Non, jusqu'à ce qu'il étudie et jusqu'à ce qu'il ait une identité intellectuelle établie dans le domaine de la science religieuse. وَلِذَلِكَ قَالَ وَرَجُلٌ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ لَا يُعْرَفُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ رَجُلًا اجْتَمَعَ فِيهِ هَذِهِ خِصَالٌ وَمَعَ ذَلِكَ هُنَاكَ مَنْ يَتَلَقَى وَيَجْرِي وَرَاءَهُ. Et par Allah, je connais une personne qui a regroupé tous ces caractères négatifs
et qui est suivi par certains musulmans. Certains jeunes aux esprits faibles, quelqu'un qui est bête et qui expose sa bêtise, wallah, sahibu hawa, wayad'u ilayh, qui est une personne de passion qui appelle vers sa passion, qui est un menteur, wallahi avéré, et qui n'est pas digne de confiance. Si tu traites avec lui à matière d'argent, tu es mort. Et malgré ça, les gens prêtent quand même oreille et suivent ce qu'il dit en religion. C'est pour ça qu'il faut faire attention et méditer sur les propos de l'imam Khatib. Ce n'est pas toute personne qui fait le tapage dans les réseaux sociaux salafia, salafia, qui l'est réellement. Et ce n'est pas toute personne qui prétend faire partie du nombre des salafis qui l'est réellement. Ce n'est pas toute personne qui dit vouloir réformer la da'wa salafia qui la réforme réellement. Wallahi alladhi la ilaha ghayru wa ana aquluhu fi masjid, et je le dis dans une mosquée, dans une maison d'Allah, que Saïd Njayou a en lui tous ses traits. Wa ma'a dhalik hunaka shabab sufaha'u ahlam yajruna wara'ahu, et malgré ça il y a des jeunes aux faibles d'esprit qui les suivent. Mais ce n'est pas étonnant. Vous savez pourquoi? Parce que ça atteste de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des preuves qui attestent de l'authenticité de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yati 'ala an-nasi sanawatin khadda'at يؤتمن فيها الكاذب يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون الأمين وينطق رويبضة قيل يا رسول الله ومن رويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith authentique, le prophète a dit, il viendra une époque, il viendra des époques, des années trompeuses, sanawat khadda'at, des années trompeuses, où l'infidèle sera considéré comme le fidèle, le menteur comme le véridique et le véridique comme le menteur, où le menteur sera traité comme véridique et le véridique traité comme menteur, où le traître qui ne peut respecter un dépôt et un engagement sera considéré comme un digne de confiance, et le digne de confiance considéré comme un traître. Subhanallah. D'après ce personnage précédemment cité, tous ceux qui sont allés étudier sont des égarés. Et tous ceux qui sont avec lui et qui sont des salafiyoun, il n'y a aucun d'entre eux qui est connu pour avoir étudié. Sadawat khadda'at, intakasat il mawazi. Quand on a balancé les choses, les piliers de la balance, quand la recherche de la science est devenue une voie de l'égarement et l'ignorance une voie de la guider. Allez, sa fille, comme rajoulou Rashi. C'est une parole que je lance à l'endroit de ceux qui suivent cela de
Personne. Il n'y a pas parmi vous une personne douée d'intelligence. Wallahi, leur attitude montre clairement que c'est des personnes qui ont même un problème dans leur document et dans leur connaissance d'Allah. Parce que pensez, et je le dis toujours, que tous ceux qui sont allés étudier sont des égarés, c'est avoir une très mauvaise opinion d'Allah. Parce que ce que cela implique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a égaré l'ensemble de ceux qui ont emprunté le chemin de la recherche de la science que lui-même à travers les tests de la révélation a établi comme étant la voie du paradis. Ceux-là ont emprunté ce chemin, il les a égarés et a guidé ceux qui ne sont pas allés étudier. Allez, sahaza su'uban billah. Pensez qu'Allah agit ainsi, c'est pas su'uban. Qala Allah ta'ala, wal baladu tayyibu, yakhruju nabatuhu bi'idni rabbi, wal ladhi khabutha, la yakhruju illa nakida. La bonne végétation, la bonne terre, donne la bonne végétation par la permission d'Allah. Et la mauvaise terre ne produit que la mauvaise, la mauvaise végétation. La bonne terre, les bons savants, ceux qui ont étudié auprès des savants, Inch'Allah seront les étudiants en science, bien guidés. Inch'Allah, bi'idnillah. Mais ceux qui ont étudié auprès des mauvais enseignants et qui n'ont même pas étudié, qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Les salafiyou. Salafiyatul jahl hadi. C'est la salafia de l'ignorance. La salafia, c'est la religion. La salafia, c'est la religion authentique qui est basée sur la connaissance, la maîtrise des textes du Coran à la compréhension des plus prédécesseurs. C'est une personne que je n'aime pas évoquer, mais à des moments, il est important qu'on cite des noms afin que les gens prennent des précautions. Pour conclure, mes frères, à la lumière de tout ce qui a été dit, nous pouvons conclure sans risque de nous tromper que pour pouvoir étudier chez quelqu'un, prêter oreille à une personne, il faut au préalable détenir trois réponses relatives à cette personne permettant d'établir l'identité intellectuelle de ce dernier. La première question, c'est où est-ce qu'il a étudié? Rabbu Dana Arifa. Qui était l'enseignant du prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam. Où est-ce qu'il a pris? C'est connu, non? Si tu connais pour le prophète. Le prophète, alors qu'il est le prophète. Je ne sais pas si on a compris. Alors qu'il est le prophète, malgré ça, Allah t'a informé sur sa chaîne de transmission. Qu'en est-il de celui qui n'est pas prophète? Entre les prophètes, qui est plus en droit qu'on prenne de lui sans connaître celui de qui il a pris? C'est le prophète, non? Ça veut dire que si on a connu pour le prophète, automatiquement on doit connaître pour les autres. On doit savoir d'où est-ce que la personne a étudié. La budda an yakuna ma'arufan bit-talabi. Wa lidhalika akhraj ibn Abi Hatim an ibn Awn wa huwa min a'immati hadha ad-din. Ibn Awn min as-salaf as-salih. Il a dit: la yu'khadhu hadha al-ilma illa mimman shuhida lahu bit-talabi. On ne prend pas cette science d'une personne, à moins que ce soit une personne connue pour avoir étudié. Il faut que ce soit une personne connue pour avoir étudié. Donc il faut qu'on sache où est-ce que la personne a étudié. Ça, c'est la première question. Quand on sait où la personne a étudié, est-ce que c'est suffisant? Là, Abadan. On sait qu'il a étudié au Soudan, alhamdoulilah. Donc il était au Soudan pour étudier, Allahu Akbar. Il était en Égypte pour étudier, mashallah. Il était en Koutché pour étudier, il y a des étudiants en sciences au Cameroun, chez Cheikh Saleh Idi, mashallah. Il était en Fumban, chez Cheikh Yahya pour étudier. Chez Cheikh Bachir, chez des frères connus pour avoir étudié. Hein? Ici à Douala, chez des machins connus pour avoir étudié. Maïndana Mouchkila. Le problème, ce n'est pas l'endroit, mais il faut que cet endroit soit connu.
Si c'est le Cameroun, que ce soit connu que la, cette personne a étudié à tel endroit. Haza awalan. Thaniyan. Comme je l'ai dit, il faut savoir de qui est-ce qu'il a étudié. Maintenant qu'on sait qu'il était au Soudan, il faut qu'on sache. Parce qu'au Soudan, il n'y a pas que les savants de la Sunna. Il y a les savants de l'égarement. Il y a les Rouad, il y a les Tablir, il y a les Soufis. Il faut qu'on sache de qui sont ces enseignants. Il faut qu'on se rassure. Non? De la source de cette végétation. Pour identifier la nature de cette végétation. Parce que si elle a été plantée sur une mauvaise terre, alors on saura que c'est une mauvaise végétation. Alors il faut savoir de qui il a étudié, qui sont ses enseignants. Parce que quand on étudie chez les enseignants qui sont des innovateurs, alors on est disqualifié de ceux de qui on doit apprendre. Fanduru amman innaha kanu la yasaluna an al-isnad falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana fayunzaru ila ahli sunnah. Il faut qu'il ait étudié chez les savants de la sunnah. C'est la deuxième question. Il faut que ce soit clair que cet homme a étudié chez les savants de la sunna. Troisièmement, maintenant qu'on sait où il a étudié et qui sont ces savants, est-ce que c'est suffisant? Là, parce qu'on peut sortir pour aller à la quête de la science. On peut même étudier chez les savants. Mais sans passer le nombre de temps requis pour qu'une personne devienne un étudiant en science. On ne devient pas un étudiant en science en deux, en trois à six, en un an, en deux ans. Là, abadan. La buddha min mulazamati shuyukh wa talaqqi anhum. Il faut absolument passer du temps avec les savants, étudier auprès de ces derniers, parce que ce n'est pas en deux ans qu'on devient un étudiant en science qui a l'autorisation d'être au devant de la scène dans sa da'wa. Je ne dis pas que celui qui a étudié pendant deux ans ne peut pas faire da'wa, mais il n'a pas le droit d'être au devant de la scène. On ne doit pas le voir. Parce que quand on se fait voir, c'est une épreuve. Et face à cette épreuve, on ne peut s'en sortir que si on est doté d'une science solide. Parce que c'est une épreuve violente. Combien de gens sont tombés lorsqu'ils sont devenus célèbres? Parce qu'ils n'avaient pas la science requise pour résister face à la célébrité. Yahari, savez-vous ce que c'est que d'être interrogé devant des milliers de personnes sur un sujet qu'on ne connaît pas, alors qu'on est considéré comme un savant? Mais quand on a la science requise qu'il faut pour se retrouver à un tel endroit, on n'éprouve aucune gêne à dire la adri. L'idée de la salaf, mantaraka la adri aussi bat maqatiluhu. Quiconque délaisse le je ne sais pas, sera athée. Pas son âme fatale. Pas l'âme fatale qui va l'abattre. C'est pour ça que il y a le récit de l'un des plus prédécesseurs que je vais essayer de citer ici. Qala Yahya ibn Sa'id l'Al-Qasim ibn Ubaydillah rahimahum Allah, deux pieds prédécesseurs parmi les imams. Ya Aba Muhammad, innahu qabihun ala mithlika, azimun an tas'ala an shay'in min amri hadha ad-din, fala yujadu indaka minhu ilmun wala farajun, ou ilmun wala makhrajun. Il a dit à ce grand imam, vraiment, il est répugnant d'une personne comme toi qu'on lui pose la question dans la religion, dans cette religion, et qu'il ne trouve pas une solution et qu'il n'ait pas de réponse. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible pour ce qui est de ta personne. Faqala lahu al-Qasim, wa amma dhak, et pourquoi quelqu'un comme moi
ne peut pas ignorer en religion. قَالَ لِأَنَّكَ إِبْنُ إِمَامِ هُدَى Parce que tu es le fils de deux imams de la guidée. Ibn Abi Bakr wa Umar. Ibn Abi Bakr wa Umar. C'est quelqu'un qui était issu de cette descendance. Qui dans sa généalogie s'est rencontré avec Omar et Abu Bakr radiallahu anhu. فقال له القاسم القاسم لي أدون جي أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخذ من غير ثقة من غير ثقة فسكت فما أجابه il lui a dit طيب il n'y a pas de problème j'accepte ce que tu as dit c'est répugnant Comme tu dis, c'est toi qui dis non, c'est répugnant. Mais, il est encore plus répugnant que ça. Chez celui qui a compris d'Allah. C'est-à-dire qui comprend comme il se doit. Que je dise sur la base de l'ignorant. Que je me prononce dans la religion d'Allah sur la base de l'ignorance. Ou alors que je prenne une science chez une personne qui n'est pas digne de confiance, qui n'est pas indigne de confiance, qui n'a pas une identité intellectuelle établie dans le domaine. Allahu Akbar. Je ne sais pas si on a compris. Pourquoi l'imam a tenu de telles paroles? Parce qu'il avait la science requise lui permettant d'être à l'abri de ce genre de choses. Parce que ça, c'est la célébrité qui conduit vers ce genre de situation. Voilà quelqu'un qui pense qu'il est répugnant que cet imam ne puisse avoir des réponses en religion. Yani sur une question relative à la religion et l'imam lui dit c'est encore plus répugnant que ça que je me prononce sans science. Donc je préfère encore là être répugnant que de parler sans science ou de prendre d'une personne qui n'est pas indigne de confiance. Ça veut donc dire, chers frères et sœurs en islam, que ce n'est pas parce qu'on a étudié chez un savant de la sunna, chez les savants de la sunna, qu'automatiquement on fait partie de ceux qui ont l'autorisation d'être au devant de la scène, là, qui ont l'autorisation de faire des fatwas, là, jusqu'à ce que les savants auprès de qui nous avons étudié attestent de notre niveau et nous disent que maintenant nous pouvons nous prononcer ou alors qu'on ait passé le temps requis permettant à l'étudiant d'atteindre ce niveau. J'espère qu'à compter de ce jour nous allons rester sur cette base, nous allons rester cramponnés à cette base, nous n'allons plus prendre que chez des personnes qui ont une identité intellectuelle établie à travers la réponse à ces questions. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لا يجوز الأخذ عن الجهال ولو كانوا متعالمين. Il n'est pas permis qu'on étudie des ignorants. Même si ce sont des personnes qui se passent pour être des personnes de science, il n'est pas permis. Parce que c'est dangereux. Quand un ignorant se prononce dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça crée beaucoup de méfaits. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض أرواح العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Certes, Allah n'arrache pas la science sur terre par la voie d'arrachement de cette science des cœurs des savants. Là, ولكن يقبضه بقبض أرواح العلماء Mais Allah efface la science de la terre à travers la mort des savants. Jusqu'à ce que
lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prennent pour leader des ignorants et qu'ils interrogent en religion et que ces ignorants répondent sur la base de l'ignorance et qu'ils s'égarent et égarent les autres. Subhanallah. Méditons dans ce hadith. Le prophète nous a expliqué comment est-ce que Allah essuie la science sur terre pour encourager les gens à profiter de la science des savants quand les savants sont encore en vie, à profiter des étudiants en science quand ces derniers sont encore en vie. Mais il a rattaché le jugement à quelque chose, au fait que les gens prennent des leaders, des ignorants parmi les ignorants, est-ce qu'ils les interrogent en religion, même si les savants sont présents, ça aura le même effet. Il ne faut pas comprendre le hadith que cela ne se produira que lorsqu'il n'y aura plus des savants. Non. Ce à quoi le prophète a rattaché le jugement, c'est quoi? Il a rattaché le jugement au fait que les gens aient pris des ignorants comme leaders et leur ont posé la question en religion. Lorsqu'ils se sont prononcés en religion, en science, le prophète n'a plus donné la réponse qu'ils ont donnée et n'a plus analysé la réponse qu'ils ont donnée. C'est-à-dire, fût-elle la bonne réponse ou la mauvaise, à partir du moment où ce sont des ignorants, c'est l'égarement. Ce qu'ils ont fait en parlant de la religion d'Allah, sans étudier, c'est l'égarement. Ils se sont donc égarés. Et ce que les autres ont fait en écoutant ce qu'ils ont dit, c'est l'égarement aussi. Ils se sont donc égarés eux aussi. C'est pour ça qu'il a dit « Fadallou wa adallou ». Ils se sont égarés en se prononçant sur la base de la religion sans science. Et ceux qui les ont écoutés se sont égarés également en écoutant ceux qui n'ont pas de science. Parler donc en science. Sans parler donc en religion sans science, c'est la source de l'égarement. Et écouter quelqu'un qui n'a pas une identité intellectuelle établie, c'est la source de l'égarement. Et c'est quelque chose qui faisait pleurer les imams parmi nos pieux prédécesseurs. Il a été rapporté de Malik, radiallahu anhu, que un homme était rentré chez l'imam Rabi'a ibn Abi Abdirrahman, qui était l'un des imams de l'un des enseignants de l'imam Malik. Fawaja de Rouyab, qui il l'a trouvé en train de pleurer. Fasa'alahu farta ali bukaihi faqala adakhalat bika musiba. Il l'a interrogé. Que se passe-t-il, l'imam? Pourquoi tous ces pleurs? Les pleurs de l'imam se sont encore augmentés. Il a dit adakhalat bika musiba, un malheur t'a-t-il frappé? Il a dit non, le malheur n'est pas le mien, c'est un malheur général, c'est un malheur qui a frappé la communauté musulmane. Écoutez bien, quel est le malheur auquel il faisait allusion? Qala walakin istuftiya man la ilma lahu fa dhahara fil islam amrun azimun. Mais le malheur qui a frappé la communauté, c'est qu'on a interrogé des gens qui n'ont pas de science. Regardez pourquoi l'imam pleurait. Le simple fait qu'on ait interrogé des gens qui n'ont pas de science, écoutez le résultat. فَظَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Quelque chose de grandiose se produit en islam. L'égarement est apparu clairement. قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُفْتِيهَا هُنَا وَهَا هُنَا أَحَقُّ بِالسِّجِنِ. La grande majorité de ceux qui se prononcent en religion, ici, par-ci et par-là, méritent la prison que les voleurs. Vous savez pourquoi? Parce que la pire des choses qu'un voleur puisse faire, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un lorsqu'il entre voler chez lui. Allez, ça t'a dit? Alors que Mankouti la douna malihi fahoua, shahi. S'il tue quelqu'un, il envoie au paradis. Quand le bandit tue quelqu'un, il l'envoie au paradis. Allez, ça cadale. Donc si on le libère là, ce qu'il va faire, c'est mauvais. Mais ses victimes iront au paradis parce que c'est lui qui meurt en train de défendre ses biens. Et au paradis, il meurt mati. Alors que l'ignorant, quand il se prononce en religion, il s'égare et égare les autres.
voyez pourquoi, regardez la compréhension des pieux prédécesseurs. Chez les pieux prédécesseurs, il est mieux qu'on libère les prisons là, qu'on libère tous les bandits qui continuent leur sale besoin. Et qu'on arrête tous ceux qui parlent la religion sans science. Parce que les bandits vont envoyer les gens au paradis. Alors que ceux-ci envoient les gens où? En enfer. Qu'Allah nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. هذا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة